Bonjour, moi le Castelin Tillus, c'est moi sorti Haïti. Ma PC raconte l'histoire de la vie moi et pour dire comment arriver ici en Californie côté m'a étudier côté m'a vivre. Moi été élevé en Haïti, me sorti dans une ville en dehors qui relait Jean Rabel, les tout près de la mer. Parents te travaillent comme professeur dans le lycée de Jean Rabel. Quelle était pensée t'as gagné plus d'opportunités en étranger ou t'as gagné plus meilleure éducation à l'étranger. C'est pour ça que j'ai décidé de voyager à vivre avec ma tante moi en Floride. J'étais tout petit. Me songeais, joie, papa peut-être dit, Kassou, arrangez pas les eaux. On a visité famille nous aux États-Unis. Je pensais que t'as seulement un voyage de 2 semaines. Je me dis, ok, papa, d'accord. Moi, j'ai valise, moi, j'étais bien content. Je me fourrais tout le bagage, moi, là-dedans. Je me dis, papa, on allait. Et puis, je me songe, j'ai joué ça. Nous montons l'avion, nous descendons Miami. Nous avons passé un bel séjour. Et après 2 semaines, papa me dit, il peut aller. Je ne peux pas finir de comprendre ce que ça veut dire. Il fait mes portes, il a quitté mandat. Il a fini même, il sortit. Il prend un taxi. Il a fini pas tout seul pour un autre 10 ans. Ça veut dire, il a quitté Miami avec famille, moi. Mais lui-même, il est retourné en Haïti. Dans pensée, on a plus qu'une chance pour avancer dans la vie hein, si on était aux États-Unis. Et ça a été un petit temps difficile pour moi parce que j'ai passé 10 ans sans mes parents, moi, sans mes familles en Haïti. Ça veut dire que j'ai presque fini d'oublier parler créole net. Parce que dans l'école, c'est anglais ou parler plus fort. Après quelques années, je ne peux pas quand même communiquer avec les parents, je ne peux pas parler créole, les filles même, je ne peux pas parler anglais. J'ai la première fois que j'étais allée à Haïti depuis que j'étais rentrée ici. J'avais 17 ans. Les filles, tout le monde était gardé en tant que étrange. J'ai essayé de parler créole, j'avais un accent américain. J'étais une diaspora, j'étais une blanc, étranger. Donc, je ne suis pas un vrai haïtien. C'est la première fois que j'ai un problème ça parce que pendant toute la vie, moi, je pensais que c'était haïtien mieux. Chaque jour, je me levais, je mangeais du riz collé à pois, je mangeais banane pesée. Donc, je suis haïtien en sans moi. Mais en réalité, j'étais dans le pays, je n'ai pas accepté comme un haïtien de vrai. C'est peut-être ça, j'étais retourné aux États-Unis après le premier voyage. Ça, j'ai décidé pour appliquer moi, pour essayer d'apprendre par les créoles. J'ai commencé à lire la Bible. D'écouter Radio Haïtien, c'est Radio Lumière qui est plus populaire à Miami. Qui ça me fait encore? N'importe ça me fait pour m'apprendre à parler créole. Ça veut dire qu'on y a, on a dégagé moi, mais écrire à l'écriole, en plus, un petit genre difficile pour moi. La fin de l'année, entré dans le collège en 2009, j'ai commencé à étudier français. La fin, ça a fait pareil, pi difficile pour moi. Parce qu'on n'y a pas qu'à séparer français à créole, non, pensez moi. La messe par les créoles, c'est un créole franchisé. La fin, la messe par les français, parfois, j'ai des difficultés pour me former phrase. Ça a tellement frustré, mais je n'ai pas qu'à changer. C'est comme ça. Ça veut dire, je me sens plus à l'aise dans l'anglais. C'est langue ça me parle plus bien. Mais dans l'avenir, j'ai envie de maîtriser créole et français parce que j'ai envie de retourner à Haïti pour aider le peuple, pour aider le pays.